Beaucoup. Je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Suite à l'absence d'accord donc à Paris en 2015, il y a eu en 2016 un accord mondial visant à réduire l'impact climatique du transport aérien, donc CORSIA. Cet accord signifie l'achat de crédits carbone par les compagnies aériennes auprès d'autres secteurs, et ce à partir de 2021. Selon vous, cela ne consiste-t-il pas, de la part des pays riches, à se donner bonne conscience par rapport aux pays pauvres, et ne vaudrait-il mieux pas investir davantage dans la transition énergétique? Merci. Je vous remercie.